recherche est permanente. C'est toujours un travail de longue haleine, fait de tâtonnements, parfois d'échecs. Les plus belles réussites, voire découvertes, ont souvent été accidentelles. Par exemple, la pénicilline. Il y a une phrase que j'aime bien, elle n'est pas de moi, c'est « On n'a pas inventé l'électricité en cherchant à améliorer la bougie ». C'est l'ensemble des processus qui fait avancer les connaissances sur le sujet. Et ça, c'est vraiment important de le faire comprendre aux élèves. Car il faut de la persévérance, il ne faut jamais baisser les bras dans ce travail. Et c'est valable dans tellement de domaines de la vie. Dans une classe où l'on propose de faire une expérimentation, il arrive que le résultat ne soit pas celui attendu. Et l'élève doit comprendre que ce n'est pas grave. Personne ne doit en rire parce que c'est vraiment un résultat en soi.